Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de pâte polymère, mais je vais vous présenter un produit que j'aime beaucoup. Et comme les fêtes de fin d'année approchent, je me suis dit que ça pouvait être une idée de cadeau pour vous, pour vos proches. Donc je vais vous présenter les bougies Jewel Candle. Je n'ai aucun partenariat avec eux, je tiens à le préciser. Mais voilà, comme j'aime beaucoup ce produit-là, j'avais envie de vous en parler depuis déjà un moment, mais je voulais commencer ma chaîne avec des vidéos de pâte polymère. Donc, c'est quoi les bougies Jewel Candle? Forcément, ce sont des bougies. Comme ceci. Et en fait, elles ont la particularité de renfermer un bijou. Vous pouvez choisir le type de bijou et en fait, selon ça, vous allez avoir une petite bougie ou une grande. Donc on va commencer par les petites. Dans celle-ci, vous pouvez soit avoir un charme, donc c'est une petite breloque en fait que vous mettez sur un bracelet et le bracelet, ils le vendent sur leur site à, je sais plus, une trentaine d'euros, 20 ou 30 euros, je sais plus. Donc soit un charme, soit des boucles d'oreilles. Et dans les grandes, en fait, vous pouvez avoir un collier, une bague, les tailles sont comprises entre 49 et 60, et un bracelet. Voilà. Donc vous pouvez choisir le type de bijou, par contre vous ne choisissez pas la couleur et la forme. Et en fait le but de ces bougies là c'est de les allumer, de faire fondre la cire pour pouvoir atteindre le bijou. Donc il va falloir à peu près 3-4 utilisations, sachant qu'à chaque fois il ne faut pas les allumer plus de 4 heures normalement pour pas que le verre chauffe de trop et que la bougie n'éclate pas. Donc en fait, à un moment donné, dans la cire qui va être fondue en surface, vous allez voir l'aluminium de votre bijou et avec une pince à épiler, vous allez le récupérer. Donc vous inquiétez pas, le bijou il est bien protégé parce qu'il est d'abord mis dans un petit sachet transparent et ensuite il est emballé de papier aluminium. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Par contre, quand vous le récupérez, il est en général plein de cire, enfin plein de cire. Il y a de la cire dessus et donc il vaut mieux le nettoyer avec de l'eau chaude et vous en aurez aussi plein les mains, ça c'est un petit peu moins bien. Ensuite, il y a une particularité, c'est que votre bijou, il a une certaine valeur, bien sûr, et sa valeur, elle est comprise entre 10 euros et 250 euros. Et ça, vous ne le savez pas non plus à l'avance, bien sûr, et forcément, il y a plus de bijoux qui valent 10 euros que 250, mais voilà. Ça arrive, et en fait, pour connaître la valeur de votre bijou, alors soit vous allez le faire estimer en bijouterie, mais bon, de base, c'est pas le but, mais votre bijou, quand vous le récupérez, il y a une petite étiquette dessus avec des chiffres, c'est un code. Vous allez sur le site Jewel Candle, vous allez sur la catégorie valeur du bijou, vous tapez votre code et là en fait, eh ben, vous avez la valeur qui apparaît. Donc des fois on a de super surprises. Moi les bijoux les plus chers c'était 25 ou 30 euros mais bon c'est déjà super. Donc comme on est en train de parler de valeur, je vais vous donner le prix de ces bougies là. Alors ça peut paraître un petit peu excessif, c'est vrai. Mais faut savoir qu'on peut les utiliser quand même des heures et des heures. Et ça tient quand même assez longtemps. Et puis en plus de ça, il y a le bijou dedans. Donc moi, je vais vous parler que de l'édition classique. Parce que Jewel Candle fait aussi une édition limitée. Et en général, les bijoux ne sont pas les mêmes à l'intérieur. Enfin, sont d'une qualité un petit peu supérieure. Et comme c'est une édition limitée, forcément, c'est un petit peu plus cher. Donc pour le prix de la petite, c'est 24,95€ en général hors frais de port. À ça, vous rajoutez du coup à peu près 5€ de frais de port. Donc voilà, ça vous fait une bougie à 30€. Et pour les grandes, elles sont à 34,95€ sauf pour le collier parce qu'en fait, vous avez toute la chaîne avec. Il n'y a pas que le petit pendentif et le collier est à 39,95€, il me semble. Donc pareil, plus 5€ de frais de port à peu près. Donc voilà, maintenant on va parler du parfum de ces bougies-là, parce qu'en fait il existe beaucoup de parfums et en général ça change avec les saisons. Alors il y a quelques bougies qui sont là à peu près toute l'année jusqu'à ce qu'ils décident de découler leur stock. Mais voilà, au printemps vous allez avoir par exemple des odeurs un petit peu plus fleuries. En été ça va être du fruit, beaucoup de fruits, ou alors des senteurs comme mojito, sangria, des choses comme ça. Donc de la fraîcheur. En automne, ça va être plus des odeurs comme cannelle ou noix de muscade par exemple. Après, on a toujours un petit peu vanille, et puis c'est mélangé souvent un petit peu avec des odeurs de fleurs. Mais ça va plus être ça. Et puis ben, en hiver, ça va être des bougies de Noël, donc qui sentent les biscuits, qui rappellent un petit peu la chaleur du feu de cheminée, tout ça. Enfin voilà, ça va être plus dans cette ambiance-là. Et on va avoir d'ailleurs des designs qui se rapporte à Noël. Donc là moi par exemple celle-ci, la Christmas Unicorn, alors je vous dis, je vous parle pas des éditions limitées, mais celle-ci c'était une édition limitée, c'est une des seules que j'ai. Vous voyez qu'il y a il y a une petite licorne de Noël en fait dessus, donc voilà. Et celle-ci, ben, je sais plus ce qu'elle sent, mais elle devait sentir la vanille puis autre chose, bon, donc voilà.
Donc du coup, c'est vrai que vous ne pouvez pas sentir l'odeur avant de les commander, mais en description, ils vous mettent en fait l'odeur que ça a. Après, ça dépend de chaque personne aussi, hein. Moi par exemple, quand on m'a offert celle-ci, au début quand je l'ai ouverte et que j'ai senti, j'ai eu un petit mouvement de recul parce que ça sentait assez fort en fait et je m'y attendais pas. Après, une fois allumé, en fait, ça embaume plus ou moins la pièce. Ça dépend si vous avez une grande ou une petite pièce. Mais l'odeur change en fait quand elle est allumée. Et en fait, celle-ci, j'adore. Bon, malheureusement, vous voyez, elle a pas mal servi et je l'ai même pas nettoyée. Mais bon, je suis arrivée au fond. Elle sent vraiment super bon. Et là, je peux plus l'utiliser en fait parce que la mèche à l'intérieur, c'est fini. Hop, je suis arrivée au bout. Mais celle-ci, ouais, elle sentait vraiment bon, mais c'est très personnel. Et ça m'est arrivé une fois d'en recevoir une dont j'aimais pas l'odeur en fait. Je la trouvais très jolie, il y avait un petit oiseau dessus. Bon, elle était jaune, c'est pas ma couleur préférée, mais c'était boîte santal. Et je ne savais pas du tout ce que ça allait sentir. Malheureusement, quand je l'ai ouverte, j'aimais pas du tout. Mais après, voilà, ça arrive, je l'ai quand même allumée pour avoir mon bijou. Et après, je l'ai plus jamais allumée. Donc oui, d'ailleurs, en parlant de ça... Il y a des personnes qui, on va dire, qui trichent, qui n'allument pas la bougie, qui ne veulent pas l'utiliser, mais qui veulent quand même le bijou. En fait, elles achètent juste pour le bijou et après elles revendent les bougies. Donc du coup, comment elles font? Soit, je crois qu'elles mettent leur bougie au four pour faire fondre et hop, elles récupèrent. Donc je pense que ça perd un peu d'odeur du coup. Ou il y en a d'autres qui doivent les mettre au congèle et du coup après elles retournent le pot et elles peuvent retirer le bijou comme il est sur le bord. Il y en a d'autres qui vont prendre une cuillère, qui vont gratter et récupérer, enfin voilà. Bon, après moi personnellement je vois pas l'intérêt, mais chacun fait comme il veut et moi je préfère les allumer et puis attendre. De toute manière, il n'y a pas d'urgence pour avoir le bijou. Je vais vous montrer une que j'avais eue cet été, la Tropical Like It's Hot. Donc celle-ci par exemple, elle sent vraiment le fruit et elle sent très très bon, elle embaume vraiment beaucoup. Des fois on est déçu, hein, on les allume et ça sent pas dans la pièce, malheureusement ça arrive. Mais voilà, celle-là elle sent vraiment très bon. Et une autre que j'avais eue à Noël dernier, la Delicious Christmas, voilà, donc vous voyez une petite bûche, et celle-ci on l'a que pour Noël, on l'a pas le reste de l'année, et en fait elle me fait penser aux médicaments, à un sirop à la fraise en fait, donc ça peut paraître un petit peu bizarre, mais une fois qu'on l'allume, ça sent un petit peu meilleur quand même que du sirop, enfin ça sent pas mauvais, hein, mais sentir du médicament ça fait un petit peu bizarre quand même. Donc après quand vous avez commandé votre bougie, elle arrive, donc voilà, avec un petit nœud comme ça. Alors bien sûr, le nœud, il faut l'enlever quand vous allumez la bougie. Hein. On ne sait jamais, ça pourrait cramer. Mais ils arrivent tous avec un petit nœud. Alors là, il est blanc, mais des fois, il est d'une autre couleur, surtout dans les éditions limitées. Malheureusement, ça peut arriver que vos bougies soient cassées. Alors après, quand c'est comme ça, je crois que normalement, vous pouvez faire des photos, écrire à Jewel Candle et vous renvoyer une autre bougie. Voilà, malheureusement, ça arrive. Moi, ça m'est encore jamais arrivé. Et en plus de ça, ces bougies-là, elles arrivent avec une petite carte. Je vais vous montrer, j'en ai quelques-unes. Il y a dans chaque colis une petite carte. Alors c'est pas une carte par bougie, il me semble que c'est une carte par colis. Donc voilà. En fait, ils en ont fait plein et il y a même des personnes qui les collectionnent. Ensuite, quand vous avez fini votre commande, Jewel Candle vous envoie un code promo de -5%. Il est utilisable 3 fois à partir de 34,95€ d'achat, hors frais de port bien sûr. Et en fait, une fois qu'il a été utilisé 3 fois, ce code-là, vous en recevez un autre qui vous permet de bénéficier de 34,95€ de réduction. Donc c'est l'équivalent d'une grande bougie en fait. Et vous n'avez qu'à payer les frais de port. Ça vous fait en fait une bougie gratuite, juste vous payez 5€ ou 5-6€ de frais de port. Donc moi je vous propose un code parce que j'en ai commandé deux pour mon anniversaire, enfin on va me les offrir mais du coup c'est moi qui ai fait la commande. Donc je vous le mets en barre d'infos si ça vous intéresse et n'hésitez pas à me dire si vous l'avez utilisé du coup et je vous remercie d'avance. Vous avez aussi une autre possibilité de gagner une bougie, c'est de participer au tirage au sort qu'organise Jewel Candle sur leur page Facebook. En fait pour ça, une fois que vous avez votre bougie et que vous avez récupéré le bijou qui est dedans, vous la prenez en photo avec le bijou à côté, vous faites une mise en scène ou pas, peu importe, vous mettez sur Facebook avec un certain hashtag et en fait une fois par semaine Jewel Candle organise un tirage au sort pour gagner une bougie il me semble. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Ça change de d'habitude c'est vrai, mais j'avais envie de vous faire découvrir ce produit parce que moi j'aime beaucoup et puis si ça peut vous aider pour une idée de cadeau pour Noël ou un anniversaire, et c'est top. Le seul petit truc qui est dommage, c'est que je peux pas vous faire sentir les bougies, mais bon, c'est comme ça. Je vous souhaite de passer une bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.